Je ne suis pas fou. Je souhaite juste aujourd'hui prévenir le monde des horreurs indicibles qu'une nouvelle expédition dans ce désert blanc pourra libérer. Non, je ne suis pas fou. Je les ai vus, ces entités rampantes, plus anciennes que les hommes, ces immondices cachés dans leur cité de pierre noire. Je les ai vues, plus grandes que tous les édifices, plus effrayantes que la mort elle-même. Je les ai vues, ces montagnes hallucinantes. We'll be right back.
Nous arrivons à l'endroit où Lake et son équipe avaient dressé leur camp. Une décharge glaciale, plus intense que le froid ambiant qui me mord le visage, me traverse les chines quand je vois les installations dévastées. Un chaos indescriptible s'est abattu sur mes compagnons d'infortune. Les cadavres jonchent le sol. Hommes, animaux, personne n'avait été épargné. J'avance vers la tente dans laquelle Lake avait dû faire ses analyses. En voyant cette empreinte sur le sol, je comprends. Elle n'était pas morte, juste endormie. Et les a réveillés. Yeah.
n'arrêta pas dans notre quête de savoir. Pourtant, nous avions compris que ces connaissances pouvaient amener l'homme à sa perte, à sa chute. Nous avançons encore et encore au sein de cette innommable cité cyclopéenne. Les choses très anciennes avaient succombé au froid du désert blanc, mais pas leur création. Abomination informe mais polymorphe, nous entendons son cri aigu et détestable se rapprocher, comme un avertissement, présageant notre rencontre imminente et inévitable. Traversant ce dédale du couloir Saint-Just, nous fuyons cette ineffable vision.